Nous pas votons pour Malgouma Moun, nous votons pour Malgouma sous-développement, nous votons pour Malgouma misère, mais depuis que je suis arrivé, Moun Malgouma, Moun qui empêche le pays ça a marché. Moun yo met zam nan men yo a. Yo men yo met zam nan men yo a. Kap gouma avec propre tête pa yo. Parce que c'est moun qui sont nan mi tan nou. Yo met zam nan men yo. C'est pas l'autre moun yo met zam nan men yo. C'est même nous maintenant. Yo pren nan mi tan nou yo met zam nan men yo. C'est pas l'autre moun. Jodi a m'di nou. C'est pour nous connaître que dernier. Ligne droite, ça n'a pas fait. Dernière ligne droite, là, c'est nous qui avons le pouvoir. C'est pour nous camper, pour nous faire. Même si nous sommes en coup, nous sommes en coup, nous sommes en coup, pas capable de quoi. Nous sommes 6 heures du soir, tout obligé de la caillou. Il y a de l'après-midi, nous avons cassé pour Tigro. Il y a un discours qui était passé dans Liancourt et soit attendu à ces déclarations. Ancien président, qui est lui-même qui t'a parlé dans la zone Patchoual, effectivement, vague sécurité pour déraler complot. Nègre dans le pays d'Haïti à la communauté internationale, là, il y a un digue blanc là-dedans pour déraler Jovenel Moïse, j'en te connais là, 7 juillet passé. Bonjour, bonsoir tout le monde, une fois encore, content ensemble avec vous. Il fait l'air avec le moment pour mes frères et content pour me porter nouvelle ça pour nous. Tout dépend de l'air, qui côté ou pas le temps de et puis garder nouvelle là. C'est Sophia TV 83, réseau information. Il n'y a pas de secret pour personne, nos jeunes, à continuer d'être dans l'histoire, papa ici, et quel que soit le monde sous ça, il y a toujours parlé des présidents Haïti qui étaient mouillés, et il y a même l'homme, ces classes bourgeois politiques là qui touillent, mélangé avec un pile. Chef dans l'état et je dis à cap bien vive et qui brille Jovenel. Milan Maniga, Yolange doit être souli. Gaston Erika, analyste politique là, qui t'a parlé à Busta John, fait qu'on est madame n'a pas même parlé de Eric Jean-Baptiste qui t'est perdu, n'a pas même parlé de Jovenel. Allez voir Paul Tadi, il va le redresser pays à l'autre politique normale. Alors, on a continué à parler tout autant de monde et c'est dans le même cas de ça, on va l'éviter d'entendre yon extrait. Côté yon accusé, Reginald Boulos. Dimitri Vob ak équipe Blackout la, un peu le juge ak fonctionnaire dans l'état qui te met tête ensemble cap juge aujourd'hui te fait massacre ça touye président pays et jusqu'à présent après 19 mois mais qui salbay pays a vin passer des gagotes gang finavain tout monde pas konn pour qui date et qui côté nous praler et qui ça cap rete tout dans pays pan. Si vous pouvez faire ça songez abonner ensemble avec n'a toujours porter information pour vous. Nous c'est Sophia TV 83 réseau information. Mais nous, voilà, nous bon gentil, mamie. Et tu t'attendais bien, ça me dit là. Madame Maniga, fait deux bagailles, vous avez installé au conseil de transition, le ministère commerce, qui montrait, qui m'était lié. Ok. Et qui vient renforcer, ça me dit avant, sous Jacques Lima, parce que qui se ressemble, ça ressemble. Et bien, madame Maniga, montrez-nous, il n'y a pas même cas, il parti dans le discours qu'en créole. Exactement. Nous, ça a été élitiste pour eux. Ils n'ont pas fait créole, ils n'ont pas fait master. C'est zizi. Un monde élitiste classe moyenne qui pensait que c'est supérieur à masse-peuple là. Et ça a fait se flotter à oligarque raciste de Thionville. Et pour nous, il y a que madame n'a fait un discours. Mais ça a beaucoup plus gros, là, non? Comment vous voulez que madame Maniga d'accord pour entrer dans le gouvernement? Comme conseiller Ariel Henry et Oligarque qui est impliqué dans le président. Quand je dis que je réfléchis sur lui, je vais aller sur lui. Et troisième objection, je vais rester sur lui. Et tu vas montrer qui est madame Maniga. Oui. Auditeur, imaginez-vous. Madame Maniga fait un discours pour entrer dans le conseil de transition comme conseiller Ariel à conseiller Oligarque. Le discours qu'elle fait juste ça, il va dire un mot sous Éric Jean-Baptiste. Auditeur. Madame n'a pas dit un mot sous Éric Jean-Baptiste, auditeur. Madame n'a pas dit un mot sous Éric Jean-Baptiste, auditeur. Ça veut dire qu'on décide d'entrer dans l'État comme conseiller Ariel, comme conseiller oligarque,
Ou pas de mot sur l'assassinat de Jean-Baptiste. Ou pas de mot sur l'utilisation de fonction ça a besoin de justice pour Jean-Baptiste. Ou pas de mot sur Saint-Éric Jean-Baptiste qui coulait. Ou pas de mot sur Kadam Éric Jean-Baptiste qui se lit des partis politiques par RDNP. Même le 28 janvier, en voie installation, il a mis 3 mois assassinat Éric Jean-Baptiste. RDNP, Mme Annie Gavasso, qui n'a aucun communiqué 3 mois après, que fait la justice sur le dossier du leader du RDNP Éric Jean-Baptiste? Qu'est-ce que la justice a fait 3 mois après? Sur le dossier, leader de l'NPA. Et nous connaissons tous les deux raisons, toutes les gonds. Ça. Première raison, il n'y a pas de signes, signes malgré démagogie qui est à quoi 21 décembre, consensus national. Parce qu'il n'est pas légal, il n'est pas constitutionnel, son même signal, c'est pour que tu ailles à oligarque. Et pour ça, il y a tout. Deuxième raison, c'est oligarque, groupe de boudons, il n'y a peut-être que c'est de la fête de là. Et de raison, ça a tué, monsieur. Donc, l'offre bilan de 19 mois qui sont passés à, par rapport à l'assassinat président au niveau national, où est clairement que, et dans tout ça qu'a dit, bon, j'ai fait systématique pour ne pas discuter du tout des gens qui dépensent 20 millions pour tous les présidents. Oui. Là, il va à discuter. Non. Là, il va discuter dans le pays. Il n'y a pas de nom sorti. Donc, ça veut dire que, bon, j'ai fort la stratégie que vous gagnez, hein, pour vous focus sur qui exécute, mais vous parlez, parlez de gros autobus politiques et économiques, oligarques, qui participent dans tous les présidents. Oui. Vous ne pouvez pas parler de Reginald Boulos. Non. Vous ne pouvez pas parler de Dimitri Vob. Vous ne pouvez pas parler de Jean-Marie Vob qui est impliqué. Dans tous les présidents. Et vous êtes ici là au Canada, de temps en temps, vous avez un scope pour faire diversion. Donc, non seulement on va parler de ça, gros autobus politique qui implique dans tous les présidents, les Ariel Henry, les Jean-Joël Joseph, les Félix Badjo Joseph, les Michel Lamatelli, les Kiko Saint-Rémy, les Wendell Koch, les Yvickel Daréville. On va parler de eux. Ou pas capable de dire, débat doit pas de cette sous-question ça. Donc, 19 mois après, c'est pas seulement au niveau national qui vient des blocages, okay. Il y a des blocages au niveau international tout. Oui. Et mon principal qui est un blocage international, je nous vois. Parce que grâce à un journaliste américain qui est David Adams, nous venons apprendre que blanc américain, qui t'a pris un soldat colombien yo, pour venir tuer le président, oui. L'Américain t'a appelé Archangel Brickel. Et l'MC a coordonné pour tuer le président, mais c'était sous contrat avec FBI. C'est même FBI ça, qui vient prendre un million 4 minutes, 4 minutes, à partir de plus que dans tuer le président l'autre jour en 4 minutes. Voilà. T'as écrit une bagarre pour garder. Okay. Elle dit blanc américain qui est le Archangel Brittel là, oui. Qui est impliqué dans tous les présidents, pendant que tu as tué le président, tu as travaillé pour FBI. Deuxième bagaille au niveau externe pour garder, c'est que le juge qui sous dossier là, l'Elgade le web, une série de gros cacachats qui va le sortir, juge en couru, classé tout cacachat qui est secret. Pour le rassurer dans la rue. Okay. Ça est deuxième élément pour garder qui est très important en matière de blocage. Okay. Troisième élément, nous mettons blanc en matière de blocage. L'État a envoyé 2 lettres. 19 juillet 2021, 3 août 2021. Avec 19 mois. Les Nations Unies, même pour démettre le tribunal international pour juger le Premier ministre Rafik Hariri, Premier ministre Liban qui a été tué. Ou te mette tribunal pénal international ça, je te joins toute autorité la Syrie qui implique dans tous les premiers ministres Liban l'a été fini mette, oui. Tant pour faire ça pour nous tout comme pays d'Haïti. Oui. Madame Lali, Maron, si c'est parce que je implique directement dans tous les présidents, ou bien parce qu'il était au courant qu'il parle tous les présidents pendant un, tant qu'on pense qu'il là, Madame Lali a fait gros manœuvre depuis 19 mois pour tribunal pénal international ça, pas mettre en place.
Et en même temps, tout, pendant 19 mois, nous venons clairement que Gonzalo Castillo, un politicien et homme d'affaires dominicain, c'est un bail avion pour mener les soldats colombiens dans le pays d'Haïti. Donc, 19 mois après maintenant, composant national de l'opération clandestine qui vient 5 composants, premier composant clan, personnel à COB, 20 millions de dollars américains pour monter l'opération. Deuxième composant clan, infiltration. Il a servi avec un accord de sécurité qu'Haïti a signé avec les États-Unis en 1997. Ça, avec un accord, ça a été proposé pour infiltrer, pour tuer le président Lacaï. Oui. Exfiltration, pas une effet, parce que c'est vraiment avec tout soldat, colombien. Et troisième composant clan, exfiltration. Oui. Quatrième composant clan qui est fou et tout, et ça a les propagandes. Et pré-opérationnel, avait dit que avant que tu es président, tout menti au TPE, oligarque au TPE, pour faire fabriquer menti au niveau national et international, sous le président Jovenel Moïse, objectif tout menti qui était construit sous la Dieu au niveau national et au niveau international, ça oligarque au pays, c'était pour l'air qui est président Jovenel, pour peuple albat bravo. Donc, quatrième composant plan, qui c'est propagande pré-opérationnelle échoué, parce que le 7 juillet, les résidents et président peuple à prendre la vie. Et cinquième composant plan, propagande post-opérationnelle, et où est bon difficile à Canada, qui fait que son ton bagage sous première dame là, il fait partie de propagande post-opérationnelle là, côté bourreau, il y a payé quelques difficiles pour faire que, et victime tout le monde. Mais heureusement, peuple a ouéke, c'est sixième ou septième menti que vous avez sous cadavre président, que vous avez sous ancien premier dame, alors que vous avez essayé de demander justice pour garder si vous avez créé diversion et manipulation dans le dossier. Donc, 19 mois, ça, sont 19 mois pour battre bravo pour courage et détermination peuple. Sont 19 mois pour battre bravo pour journalistes indépendants comme nous qui sont sur les réseaux sociaux, qui comprennent que si nous voulons un pays, si nous voulons la paix, si nous voulons une stabilité politique, si nous voulons une démocratie avec développement économique, et si nous voulons que le prochain président que le peuple va choisir dans l'élection dirigée, pas une autre option, il faut que nous marions assassins qui tuent, qui violent la souveraineté pays nous, et qui tuent le président de la caille. Et c'est pour ça, semaine ça, où est au niveau blanc, yo, on parle de blanc qui est très suspect, mais le comportement qui est au parce que blanc, yo pas pensé que le peuple haïtien a aussi terminé pendant 19 mois. Blanc, yo saisi à qui point j'ai peuple à calé et peuple à prendre coup dans le même blanc. Exactement, Stanley. Coup ça, il est trop clair devant nous, Stanley. Et c'est peut-être ça que nous-mêmes n'avons pas la bataille, n'avons bataille, et nous-mêmes nous campons devant en face. Et c'est peut-être ça que nous demandons la population haïtienne, mettez-y au debout et en nous organiser pour nous comme bataille pour l'autre Haïti des rêves que nous-mêmes nous réveillons. Je dis en blanc, pas nous Haïti que nous voulons. Nous ne pas attendre l'autre Haïti à la main blanc, yo. Parce que yo coupable de ça. Pablo Sabiano et Moussa. Yeah. Ouais, bon, bah, il faut faire très attention à Moussa. Oui. Mais qui tue le président, yo? Oligan ou blackout, ça veut dire Jean-Marie Vobba, Dimitri Vob. C'est avec Competo Caribe qui a été volé, qui a été mis 300 millions de dollars américains dans l'espoir, vérité, unité. Comme nous, ça a eu, fin pourri au niveau politique, nous avons un nouveau parti politique que nous avons monté avec Ariel Henry, avec Jacqueline Mack. Avec tout le monde qui fait partie du réseau Unité, Vérité, l'Espoir, le nouveau parti a été Haïti Nouvelé. Ça, avec lui, il voulait faire coup d'État. Et il a remarqué que c'est Jacques Lima qui s'est architecte pour venir faire coup d'État à vous. Ok. Haïti Nouvelé, ça, c'est un parti politique comme si trois groupes, Mounsa, Assassin, ils mettent ensemble. Mais maintenant, Lucas, nous t'avons mis. Et bon petit groupe, tout, Université Kiskeya qui l'a donné. Et c'est pour ça que vous allez madame Aniga qui est dans l'université Kiskeya avec vous. Ok. Nous avons plusieurs dossiers pour nous parler là, Lucas. Maintenant, ça paraît clair. Pas de monde qui a effacé ça devant personne. Lucas, Berto Dossé qui était avocat Dimitri Vob qui était en face président Jovenel Moïse. Qui a bataille contre président Jovenel Moïse. Et même Dimitri Vob, ça a dit que la bataille pendant 50 ans contre le président Jovenel Moïse, ainsi,
Reginald Boulos, qui campait à Anel Belizère, pour une bataille tout contre le président Jovenel Moïse, qui passait dans tout petit mouvement. Nous, nous pas dormi, qui ça, ça, qui challenger, qui t'a bataille pour Reginald Boulos, qui t'a embauché Mounsayo. Ok. Qui t'a pour faire des mouvements en deux pays. Maintenant, sorti des avocats pour passer ministre justice. Et maintenant, Gabi Blaise qui vient, qui style avocat. Et nous venons retrouver nous encore avec une autre qui vient juge. Mounsayo, c'est pour Bertrand Doisset qui vient prendre. Placio en dans institution justice pays. Comment pour yon moun ta kampe pour ta dit que Dimitri Vob pas coupable dans la mort président Stanley? Comment capable trouver nous ça? Le 9 juillet, la justice toujours est papier par Dimitri Vob, à Jean-Marie Vob, Reginald Boulos pour implication dans tous les présidents. Étant donné que yon vine rôle bête dossier. Non seulement dans la corruption judiciaire pour saboter l'enquête président Jovenel Moïse, il y a une quinte de dossier avec juge Brésil Fabien dans la corruption judiciaire dans l'affaire dossier courant, où il a laissé effacer 397 millions de dollars américains qui n'ont pas de l'État, et l'ITC a mis 54 ou 56 millions de dollars américains additionnels pour eux, étant donné qu'il y a une quinte de étant donné qu'il y a une quinte de dossier dans le trafic d'armes tout, et dans la relation que j'ai avec le conseil des gangs. Donc, travail peut être pendant 19 mois et éclater bête au dossier. Où y a l'air aussi éclater bête au dossier? Dimitri Vob te gen comme projet, vini avec avocat qui participait dans tous les mètres de Valla. Pour lui, Gabi Blaise. Les causes, ça a sorti dans la rue, dans la grosse discussion qu'a fait notre négio. Il venait pour si vous n'avez pas de pour qu'on ait été Gabi Blaise, ministre de justice. J'ai l'implication, monsieur, dans tous les maîtres d'Oval pour Dimitri Vob. Mais nous, quand on est à l'UVA, c'est le troisième nègre qui était comme fait papier pour le dossier pour le. C'est lui-même qui était mettre le président provisoire dans le pays parlementaire et dans la 50e législature. Depuis l'État, c'est Jocelyne Brivet qui a géré. Ni Ariel, ni LB pour Dimitri avec Jean-Marie Vob. On va dire que privé travail pour Jean-Marie et Dimitri Vob. Oui. L'MC était président provisoire, pour soutenir pareil, là, le passé, on va monter la Cali pour l'Albaï rapport. Donc, depuis deux mecs, ça a fini éliminer Bertrand Doisset avec Gabi Blaise, c'est privé qui a géré pour l'Oligarque Blackout, Dimitri avec Jean-Marie Vob. L'autre partie qui est importante dans la question là, monsieur de Consaltab Dia, l'MCF fin tout le président, et depuis avant tout le président, il était dit que c'est sous 50 ans. Puis quand on va découvrir que c'est sous 50 ans, il y a besoin d'intérêt Jovenel. Oui. Quand est-ce qu'il y a fait? Tout le monde Jovenel a effacé, il n'y a pas effacé. Non, jamais. Central, 60 mégawatts, 4 fois, qui était de marcher depuis le mois de juillet, qui paraît. C'est pour ça que Dimitri Vob mette et Walmo, ancien employé, ce génie, directeur général EDH, où est, malgré central courant paré depuis le mois de juillet, où est-il de faire marcher pour mon cafou à mon bord de prince par un courant. Et pour les bagailles que Walmo dit, les villes montées, il n'y a pas de courant. Interview à son nouvel liste, où il doit regarder. Et Walmo, nouvel liste, parce qu'il doit pas être. Il prend des décisions stratégiques pour travailler. Quand on donne un bail comme ça, dans aucun pays du monde, directeur général EDH en pays, dit prend des décisions stratégiques l'ordre aux oligarques corrompus qui tue le président Dimitri Jean-Marie Vob. Donc, prenez pas quelque chose que vous allez faire, central 60 mégawatts courant, qui paraît pour bail mon cafou courant depuis le mois de juillet, mon porte presse courant, il est bloqué. Tout projet d'électrification zone métropolitaine, il est bloqué. Pour nous garder si vous n'avez pas mangé 157 millions de taïwans. Oui. Projet, ça veut dire moteur tout neuf que vous mettez dans la centrale 5 km au cap. Son green bagage qui doit faire synchronisation pour nous faire un courant. Moteur pour l'autre bois, pas faire rien, mais vous refusez de faire le marché. Centrale tout neuf pour des paix qui doit alimenter 6 communes dans l'Ouest qui paraît, mais vous refusez de faire le marché. Même bagage avec centrale doué. Et pas là seulement pour montrer une méchanceté négue, non? Le président a commencé un canal, le président Jovenel Moïse a commencé un canal sur le rivière Massacre qui a ouvert trois départements géographiques
Mais il bloqué. Regardez le canal là. Il s'est bloqué la donne. Oui. Même mariage marion qui finit. Parce qu'on est légué la pluie. Le système n'a pas. Faut que vous ouvriez Vanio pendant que la pluie. Tout n'est que crasé mariage marion. Que qui contrôle les Vanio. Ils vont essayer au Port-au-Prince. Tout n'est que la pluie, la crasé barrage. Oui. Même les bagages qui étaient bien courant, pour ces communautés qui n'ont pas eu. Tout le bagage qui était installé, n'est pas bloqué pour peuple pas un courant l'autre bois. Oui. Tout projet que le président a fait en faveur du peuple, et tout lycée que le président a fait en faveur du peuple, qui est à 90% fini, lycée était, ils sont inaugurés là, nos jeunes frères, son lycée est fini depuis le mois de juillet. Oui, oui. 2021. Alors, dit que l'MC Bouron Chaké, c'est tout 50 à la Bounet. Non seulement M. Touye président, mais il y a gardé tout projet de développement. Sa présidente, il est tiré placé pour le peuple là. Il y a gardé qui j'en voulais enterrer tout projet de développement président a fait. Dans l'agriculture, dans la construction, dans le courant, et la rire. Il y a méchant même. Il y a pas monde même. Il y a méchant, il y a pas monde. Maintenant, il y a des bagages comme si il y a gardé tout, comme moi-même, moi, pas voulu. Pour nous rentrer dans des tacotac. Mais il y a des bagages qui ont gardé, qui ont tendu tout à terre là, parce qu'il y a plusieurs mouns à terre. C'est ça, ils ont dit, ils ont dit, ils ont voyé, ils ont modifié, ils ont chuté avec eux, ils ont dit, ils ont vint dit ça, et bien ils ont même paraît, ils ont dit ça, ils ont dit, ils ont dit. Nous avons gardé que vraiment, on a parlé de Canada, qui a des mouns qui ont fait propagande. Mais il y a des bagages comme ce qu'ils ont fait là. Parfois, moi-même, je me pose peut-être ma question. Est-ce que il y a des jeunes sur le réseau, est-ce qu'il y a un pays, est-ce qu'il y a un changement? Absolument non. De bon nèg dans l'émission, regardez, et Moussa. Oui, frère. De bon nèg monte dans l'émission, c'est même Jean-André Michel Kabouet Afiana à sous avec Kobleta devant ces $2,000 américains pour Kabouet Afiana avec Nenel Kassina en club de Tionville à sous. On est fait l'émission. Ces bouteilles et ces verres, ou un verre clair, un verre divin qui n'a pas. Son épicurien courrier. Et là, en fait, il va parler son épicurien courrier. Nous n'avons pas perdu temps sur ça. Ouais. Non, nous n'avons pas perdu temps sur ça. Mais nous, et tout, et situation pays, il y a là, Milan Maniga. Est-ce que vous êtes capable de faire ou? Est-ce que vous êtes attendu encore après que la constitution que Milan Maniga te fin mettre devant le peuple là? Pour te attendre pour que c'est même Milan Maniga ça y prend pour ta venir travailler sur une autre constitution pour yo encore pour venir planter peuple haïtien une autre constitution Stanley. Pour le bail pour peuple à songer pour pas prendre un coup. La commission indépendante sous constitution ta travail sous président Jovenel Moïse. Tout secteur qui a participé là-dedans. Son pile travail qu'il fait. Après tout secteur au fin de contribution, comment il y a tout bagay, il y a un premier draft qui te sorti. Songez ça? Oui. Bousta. Oui, me songez. Pour y aller, le premier draft la sorti, en plus discussion faite en dedans pays, en plus discussion faite sur radio, sous draft là, en plus discussion faite dans la diaspora. Nous avons des suggestions, commentaires, mais qui s'est capi bon, mais qui bagay. Commission prend toute vision, tout commentaire, toute réflexion. Il mettait, il vient avec un deuxième draft. Après le deuxième draft, là, des commentaires, des moins commentaires, mais des commentaires additionnels qui étaient faits en dedans pays et dans la diaspora. Toute association, organisation des bases. Après ça, on fait un troisième draft. Après ça, on fait un quatrième draft. Après ça, on fait un document final. Là. Quand il y a des bagages pour songer. Oui. Je viens de dire, c'est ça avec Bourgie Boudouan. Ça veut dire, candidat vérité qui a répété par Kané, dans la dernière élection, Jacques Limac, qui est dans l'université Kiskeya, c'est lui-même Ariel Bay écrit en constitution. Jacques Limac sont élitistes qui liés. Ça veut dire, les classes moyennes, idéologiques qu'on a là-dedans, c'est ça, l'élitisme. Dès que ça n'a pas qu'on a ma step. Ça veut dire que nous sommes allés pour une constitution élitiste et raciste avec les amis qu'elle gagne à l'université Kiskeya. Et c'est même plus ça qui n'a pas gagné pour le peuple qui fait ça. Quoi, il va prendre pour le petit coup. Comment voulez-vous pour Ariel Henry,
Cabral Jacques Lima, un élitiste, Cabral collaboré avec des oligarques racistes, groupe de Boudon et groupe Blackout, pour une bonne non-constitution raciste et élitiste. Qu'est-ce que ça prend le temps?